Joris, c'est. On va se feindre de le dire quand même, c'est le match des regrets un peu. Ouais, c'est sûr, on a des regrets parce que on rate des occasions devant le but. On fait malheureusement une erreur sur le but. Donc c'est sûr que sur un match comme ça où on était bien en place, on ne peut qu'avoir des regrets. Déroutant, hein, ce MHSC à deux visages d'une mi-temps à l'autre. Oui, c'est sûr, il faut être beaucoup plus régulier, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Il faut qu'on arrive à garder une organisation, à être précis techniquement sur tout le match, à avoir des combinaisons sur l'ensemble du match. Il faut être beaucoup plus régulier pour pouvoir, obtenir de bons résultats. De ton propre avis, Joris, c'est deux points perdus, c'est pas même deux gagnés. Oui, c'est sûr, vu le match, vu les occasions, le scénario, je pense que c'est plus de points perdus qu'un point de gagné. Eh bien voilà, Michel, un point à Angers. Est-ce que c'est pour vous le match des regrets ou quel est votre sentiment? Sur la deuxième mi-temps, oui, parce que notre première mi-temps, elle est très très mauvaise. On n'a rien fait. Il y a eu une frappe, je crois, au but, et qui est partie au-dessus du but. Non, première mi-temps, elle a été très mauvaise de notre part. On n'a pas créé de jeu, on n'a pas fait trois passes de suite. Notre deuxième mi-temps, par contre, est bien meilleure. On s'est créé beaucoup de situations. On mène au score dès le début de la seconde mi-temps. Et puis on a balle de 2-0, on la met pas au fond et sur le contre ça fait erreur défensive but. Et derrière on a continué. C'était un match très ouvert après, quand ils ont égalisé et des situations des deux côtés. Mais nous on en a eu beaucoup plus, mais on n'a pas été efficace. Le gardien, il n'a pas un arrêt à faire, on a tiré tout à côté. Tout n'est pas perdu, mais il y avait mieux à faire, on le devine dans votre façon de. Ah oui, non mais on était venu ici, on avait l'ambition de gagner. On a eu les situations pour le gagner, mais on n'a pas été efficace, tout simplement. Maintenant, il reste 7 matchs. Moi, je pense qu'il faut en gagner 6, mais il va falloir être fort et être en capacité de le faire. Bon, Nico, on a laissé filer 2 points. Ouais, déception. Je crois qu'on peut qu'être déçu. La première mi-temps était compliquée, mais bon, on s'est bien repris en deuxième. Je pense qu'en deuxième, on méritait de gagner le match. Voilà. C'est dommage. Comment vous expliquez ce MHSE de visage comme ça? Vous êtes tétanisé par l'enjeu ou... Non, j'arrive pas à l'expliquer. Il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. Aujourd'hui, c'était sans. Et voilà, on est déçu, c'est tout. Parce qu'il y a la place de le gagner, hein. Bon sang. Il y a la place de gagner et ça nous enlève des points pour l'Europe, pour la course à l'Europe. Donc on est déçu, point barre.